la question de la conscience est très importante pour savoir dans quel état est le malade, qu'est-ce qu'il vit lui-même au temps présent de sa situation, quel est son pronostic de récupération d'un état de meilleure qualité, etc., etc. Et donc, pour répondre à cette question difficile, il faut d'abord une expertise clinique sans faille, donc il faut encore plus qu'avant être très bon dans l'examen clinique et développer l'examen clinique et comportemental, mais on a également besoin de nouvelles mesures, et mon groupe s'intéresse avec d'autres groupes à élaborer des nouveaux outils qui nous permettent, en sondant l'activité cérébrale, en enregistrant l'activité cérébrale au lit du malade de manière non invasive, avec des EEG en ce qui nous concerne, et bien être capable d'identifier des marqueurs ou des signatures, on appelle des signatures cérébrales, de l'état de conscience.